C'est si gentil à vous de venir me voir, monsieur Bond, et pratiquement séance tenante, pour ainsi dire. Si on ne peut plus faire confiance à un banquier suisse, où va le monde, je vous le demande. Bon, tout s'étant déroulé confortablement, vous ne vous asseyez pas? Ce ne fut guère aisé, mais j'ai pu recouvrer l'argent. C'est sûr que Sir Robert sera bien aise de le revoir. Au taux de change actuel, moins les frais et certaines imprévisibles dépenses, bien entendu. Voilà le reçu. Je vous ai mis la somme en chiffres ronds. J'apprécie énormément les rondeurs. Tout est là. Ce n'est pas l'argent qui m'a amené. Le rapport acheté par Sir Robert a été volé à un agent du MI6 qui a été assassiné dans l'affaire. Je veux savoir qui l'a tué. Terrible tragédie. Je ne veux qu'un nom. Je sers seulement d'intermédiaire, moi, et mon but est très avouable. Restituer la somme d'argent à qui elle revient de droit. Et l'on sait quel calvaire ce doit être pour un banquier helvétique. Je vous offre la possibilité de repartir riche comme Crésus, monsieur Bond. Oui, moi je vous offre la possibilité de repartir la vie sauve. Si je regarde bien la situation, au strict plan bancaire, la loi du nombre n'est pas à votre avantage. Eh bien, vous oubliez peut-être de prendre en compte mes ressources secrètes. Debout. Vous semblez avoir eu un petit revers de fortune. Dites-moi son nom. C'est hors de question. Comptons jusqu'à trois. Ça, vous savez le faire, non? Un. Deux. Mais oui, très bien. Mais vous devez me protéger par... ¡Policía!